Your Honor, I'd like to offer a read I can even go. Pretty tiny, you'd help a new. Mon fatre hell. To tato, we to far. Moti, mighty here tenuna. To tato nuna, I tell me deep. Papa proud held up our hate and not which we are a hipper. Mo papa, the media. Bonjour tout le monde. Tenine ai to tato papa proud hey ya te o mai te pro fan ho ia no te ru ano te man. Monsieur le président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 25 mars 2011. Mesdames, messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer qu'une motion de défiance a été déposée le 24 mars 2011 à l'Assemblée de la Polynésie française par 17 représentants. Conformément aux dispositions de l'article 156 de la loi organique numéro 2492 du 27 février 2004 modifié portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'Assemblée se réunira à compter du jeudi 31 mars 2011. Par ailleurs, si vous souhaitez intervenir, il fallait conformément aux dispositions de l'article 15-20 du règlement intérieur vous faire parvenir votre inscription au secrétariat général au plus tard le mercredi 30 mars à 17h. Je vous prie d'agréer, mesdames et messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par Monsieur le Président Oscar Manoutaï Timaru. Maruru Papa et Prohei, ya tenido ya oya tu maite oot momero aprareu titamaite nebebe. Madame Algan Emma, absent. Madame Bob Dupont-Tamara, présente. Monsieur Bissot Jean-Christophe, présent. Madame. Madame Algan Emma, donc présente. Madame Brémond-Madeleine, présente. Madame Brodien-Rosine, présente. Madame Chavez-Daphné, présente. Madame Cross-Valentina, présente. Monsieur Jacques Hydrolé, présent. Monsieur Floss-Gaston, présent. Madame Fribaud-Joël, présente. Monsieur Pierre Fribaud, présent. Madame Fuller-Tilda, absente. Madame Galnon Minari, présente. Monsieur Giros Antoni, présent. Monsieur Anderson Georges, présent. Madame Irshon Nounoutea, présente. Madame Isal Heifara, absente. Monsieur Côté Benoît, présent. Monsieur Komoutini René, présent. Monsieur Lison Marcelin, absent. Monsieur Mamadou Mutab Victor, présent. Madame Aïtere Maria, présente. Madame Manoutre Olivia Gami Sandra, absente. Madame Maraya Emma, absente. Monsieur Maraïra Teina, présent. Madame Marie-Thérèse Mairoto Liliane, présente. Madame Matawali Léoni, présente. Madame Mati Juliana, présente. Madame Merceron Armel, absente. Monsieur Moutam Thomas, absent. Madame Olivier Marise, présente. Monsieur, Madame Opa Afouanik, présente. Madame Parker Eleanor, présente. Monsieur Père Touti, présent. Monsieur Porliete Kinoui, présent. Monsieur Rapoto Jean-Marius, présent. Madame Richeton Monique, absente. Monsieur Romain Tarwa Fernand, présent. Madame Sage Maïna, présent. Monsieur Salmon James, présent. Monsieur Chil Philippe, absent. Madame Saint-Jou Tarita, présente. Madame Tayata Chantal, présente. Madame Tawatama Juliette, présente. Madame Tama Françoise, présente. Madame Tani Thérèse, présente. Monsieur Tonso Robert, présent. Monsieur Chumutururo, présent. Monsieur Tefare de Hiroiti, présent. Monsieur Temaru Oscar, présent. Monsieur Temeharu René, absent. Madame Tiroaka Sylviane, présente. Madame Théora Justine, présente. Monsieur Toahou Ismaël, présente. Madame Trichoubia Catherine, présente. Madame Vernondan Béatrice, présente. Monsieur Vernondan Clarence, présent. Voilà, Monsieur le Président. Maruru Papa et Prodhei, Tianido Yaoya, Taïumai, Tapuru et Poyfrudihia, Noteyemhana. Monsieur le Président, la conférence du Président réunie hier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Discussion générale sur la motion de défiance. Point 3. Vote de la motion de défiance. Point 4. Clôture de la séance. Voilà, Monsieur le Président. Maruru, Papa et Prohei, Tialiro Yao, Moumer Maït Hietenuna, Te Fari, Te Tapurohepa, Te Firuri Himeno Te Mhana, Maïti, Tapora, Maruru. Kare rata tui mua. No te tua tapupa i te prau, no te iai te rata i a te ture, no te tau i ai te whatare a o tō tatu whenua. I roto i te rurura o te mō pretitini o te tupu nanhenei,
wa fauti hia e on horu miniti na te whātaret au tō tātou whenua. E te mōti au, te mōpupu tāta e tei e proparau muri mei horu miniti. Hora tātou hare atu e dira, te aniroa i te hoeti au ti tarima i te prau, ia tei o mai, tei o prau mai tātou, sakidro le tāne ti auena. Maroro mai tei e te pereti tene, i o rana whahau a tātou i te whareri rai te enei pēpēi, i o rana tamo mero a porar hei, maroro i te amuira amei, i rutu i tātou rurur a, i o rana te whātere rau te whenua, i o rana te moupapa e bea, e te mouta a tātou e mata i te emene i a tātou, nā rutu i te rāwe au te roruira, te nātua te poroi no te arofa. Hou o tei o atuei, i au te ture, te genei prau, nā rutu i te reo whrāni, te hinaro nei te manon, te pereti tene, e hapoto noa nā tumu prau e maha, i whaoti ei, nā mero hoe e horu e mahitu, i te tarimar a i te genei prau. Te tumu prau ma tāmua, i manohi e matou, wa ma iti, te pērhei o te whare aporarhei, i tā tātou tāpura fōwha i te horu e maiwa no Whepuare. E te wahi e mērehi āra, e ere te i e tāpura fōwha te i piahia roto i te wea te hau. E tāpura fōwha e ero atu te i ore i wherurihia e te momero te i te whare aporarhe. Te e te tumuprau mā tāmua. Te piti o te tumuprau, u wharo opa atu o tātou, i te ore rai o te whaterera o te whenua e whanhoi te hupa me e teo te hina arhuia, ua whaatopahia e te te e tera Standards and Poor's tā tātou numera. Te auraia, ia opua ea tātou i te hare tārahoi te moni no tā tātou mo opua rā, e toiha atua ia te mou teime e whaahepohia tātou i te eufou. Te toru, ia hi ora pahia te ienei whaterera a tā tātou, te mana o nei nā mero hoe e horu e mahitu e i te e tano, nā te ie e iwa mero, i rutu i te whare aporar hei, e paturu i te whaterera, no te whaterera ia i a tātou i te ie mhana. E te maha, o i te pāto a tātou, ua tūhia tō tātou priti tini a Gaston Thompson, i mua i te hio poara te ture. E aita, nā mero hoe e horu e mahitu e nenehe whaari i, i te hoe priti tini o te whenua. Ia te ano o ia e priti tini, nua atua, ua tuhia o ia i raro ai te opoara a te ture. Tra e te priti tini, no te mauta ata i orei papu mai te, te tumu tatu i tarima e i te ienei prau. E i te ienei teme, e te o atua i ana, naro te tiri o frani. Monsieur le Président, conformément aux dispositions de l'article 156 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004 modifié, les représentants sous-signés vous saisissent d'une motion de défiance dirigée contre le gouvernement de la Polynésie française présidé par M. Gaston Thompson. Nous déclarons que ce gouvernement doit être censuré pour les motifs suivants. Premièrement, celui-ci, par son entêtement, a refusé l'exécution du budget voté le samedi 19 février 2011 par une très large majorité de représentants à l'Assemblée de Polynésie française, en imposant sa version budgétaire, conduisant ainsi au constat de son mépris délibéré à l'égard de la légitimité démocratique de notre institution. Par ailleurs, par cette situation inédite, le pays se trouve plongé dans un imbroglio juridique préjudiciable à ses intérêts. Deuxièmement, l'aggravation de la situation économique et financière illustrée par la baisse de la notation délivrée par Standard & Poor's, confirmée en cela par l'Institut des missions d'outre-mer, démontre l'inaptitude de ce dernier à remplir les missions que M. Gaston Thompson s'était pourtant assignées lors du renversement de novembre 2009, à savoir le redressement des finances publiques
ainsi que la redynamisation de l'économie. Troisièmement, le constat accablant de sa légitimité moribonde au sein de notre Assemblée place ce dernier dans une impasse qui le prive de toute efficacité décisionnelle durable. Et enfin, quatrièmement, Monsieur le Président, M. Gassot-Thongson fait l'objet d'une seconde mise en examen judiciaire qui ne manquera pas d'affecter à nouveau l'image de la classe politique dirigeante tout entière vis-à-vis du peuple polynésien. Pour toutes ces raisons, nous considérons qu'il y a lieu de censurer le gouvernement de M. Gassot-Thongson et, conformément aux dispositions de l'article 156, alinéa 2 de la loi statutaire modifiée, nous vous proposons M. Oscar Manoutei Temaru comme président de la Polynésie française. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments distingués et suivre 17 signatures telles que prévues par la règle. Je vous remercie. Maruru, te fatrera ut fenua, pretitini, ja oera te teime. Maruru maitei pretitini, tatu pat oitei e pepei, ta e mou, ja uri ki taura e tapurarhei, maruru e iorana e ptitia foto tatu atua. E to tatu amuira mai, no te tuatapapara i te ieprau, i te oia hora i te auha, no te fat ahurira i te ie fatarera. Manan ara oi briktini, i te pauti ehe ia oe. Namua na paha tumo auhariti te aporar hei choro amai tō ratu mamana. Ia pau tō ratu mamana, paha ime ie te fatarera o tō tatu whenua. A iria ua ue horo atuai, ngaro tō ati mō whātere hau, horo ai tō rātou mōmana, e pēu mātou hia te hei tato, e nea teira. E no uia te mōna ho pēr tū mātou. Ora, je voulais simplement demander si votre assemblée le permet de démarrer notre débat par l'intervention de chaque groupe et le gouvernement interviendra après l'intervention du dernier groupe. Chaque ministre fera son intervention, je vous promets, ce ne sera pas trop long. Je ne vais pas vous accabler des discours. Hein, et tout simplement, je vais donc répondre au motif qui a été avancé dans la motion de défiance. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je pense que, bien sûr, il y a des interventions de ce matin qui sont prévues par certains représentants de chaque groupe, mais l'essentiel a été dit par M. Jacky Drolet. Et donc, c'est votre moment pour vous exprimer, les ministres et M. le Président. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Cela veut dire qu'il n'y a plus aucune intervention des élus de l'Assemblée. Monsieur Jean-Christophe Buissou. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Messieurs, parce qu'il n'y a plus de dames, donc un gouvernement d'hommes. Et de même que nos chers collègues représentants de l'Assemblée et chers publics, vous tous qui suivez nos débats, je voudrais, au nom du groupe Yorot Fénois, vous envoyer nos salutations. Je voudrais conforter la position du président de l'Assemblée de par le fait que la conférence des présidents de groupe qui s'est tenue hier a dressé donc notre ordre du jour qui a été adopté à l'unanimité et qui prévoyait d'abord la lecture de la motion de défiance signée par 17 représentants. Et c'est l'objet de notre séance d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas, nous, au niveau des autres groupes, dépositaires ou co-contractants de cette motion. Et nos interventions, je présume, là je parle pour
celles et ceux qui ont prévu de prendre la parole. Nos interventions seront modulées en fonction également des réponses que vous allez apporter au regard de cette motion qui a été déposée. Donc, il ne s'agit aucunement pour vous, Monsieur le Président, de répondre à ce que nous dirons nous, sinon à la motion et aux motivations de cette motion de défiance. Voilà, Monsieur le Président, ce que je souhaitais dire d'emblée. Merci. Maruru, président. Oui, c'est la première fois que j'entends l'accusé parler avant. Hein, les procureurs et... Bien. Si vous permettez, donc je vais passer d'abord la parole au ministre de la Culture qui commence l'intervention des membres du gouvernement et je terminerai par moi-même. Merci. No te fatahuri te fatahera e no te maiti te pretetiri. Te pepeane heo i te mea e, aita te tia no te pupu tō tātou aia i tāpura e iani i a tāpura hia in e tātou tāpura ohipa no te iemhana te ho e teime nā te mau fatahau. Ke mara au, me tia i te pretetiri e, o te heo whenua, e nāna, e au hao mai, e te mana au te whātere a hau o tō tātou whenua. O atuei te mau whātere, te mau pupu tāt e te hei, e, i tō rātou mō mana. Iai te whaotira a te aporar hei, e, no te iupewhoi. Maruru. Maruru e te hui tō whā, ua whaotihia hoe hora. No te whātarera o te whenu. Ene mi te pēu whaoti rātou e paraparau ko whātare hau i tō rātou mōmana. E roto rai te rā teimu, o e hora. Tāno rā mau mi tā oe e praura, nā te pretetiri e o ume i tōna mōmana. O e rā hora te rā e horo hi ara nāu. Nā te mōtia e paraparau aro e, o e hauru miniti, te tia tāta e tei. Rekitini. Ei, on evou, te hare ratatou ni ji te whanhora, ai te tua diwa hanyi te peu matou hier te te aporarai. E hai ta oti ari. Amana utro oi tera wat ahuri rei tupu ima tei te pitou tini maha. Piti imhana, tōtou paraparau noa rei yo. Piti imhana. Te imhana, ta oti a otou, opani otou itmo vātere hai paraparau. Ate huye. Tia por arahita tatu te yemana. Tia drama no fatura. Otura ni me vai. Ite po no tatatu proparaura. Ama no tru ita tatu ma ira tabro wani no o itu eteme. Ateme ra ita tatu ruga. Hoi ho ra jiwari hiamai. Awa ho ra jiwari. Aru ma ba minja jiwari hiamai. E ba minja jato jiwari hiamai. Ia dei whaterera i tātou, aparau mai nā. E te rātou te hurut whaterera, ia te ingi whaterera o tō tātou whenua. Nore ai ania he amtuna i o tō, papapai di te mātai mi, ai te mātou i reiroa. Ai te mātou i reiroa, e whia mātou, a te apiti a torua, maha, pae aonu, tata paraparau. I tēnen he? Turi bhado tato airaru. Eriya nao tama nao tibiriki te ni anitaparu te iye. Aite e whaino rai tuita mātou paraparau ra. Aita. Opani o eit mau whaterehau.
Maruru Pretitini, te hapapu hauturu o, te teime hor ohiare rutoi utou, nga utou e hi omai, vovor amai to utou momana, hor ohia trataime ho e hora. En hei tera ho e hora. I te pere hara tato e piti hora, e piti e hora. Ere? Hirotura ia oet opere rai rutoi te mufatere hau, vovor mai to utou momana, o te mea tamana or hei, vovor hi atu e to tato tia, Saki Role, mō tumurarhei, nō te e tāpurohepa, nō te e mhan. Mero o apurarhei, Saki Role. E te pretiteni, e reo whātura te e, i te pretiteni o te whātere rau tō tātou whenua. Te wahi nua tāte mana o enenhe e parau atu iana, te oranei o ia i raro ai te mana o te whawha ataito. Ua taui tā tātou ture. E iaut irawa ahuru e mapae o tatatou ture roto, teiti roa te hora, e nenhe e horo ahi atu ri te otorima, o e hora. Ihara, ia wainoi rira, e whaitu at ohian e te miniti e horo ahi ara nat mou auha. Ia hio mai te oe te mou miniti e horo ahi a, tiraro e mei te hora. O iti ta matui te hora, o hareno matui e te ture, tai oi tatatou ture roto, te irawa ahuru e mapa. E wainene matou e te peritititeni te wharoa rai te reo nene mau a tō tātou ta e ia mita. E wehoi ana ia proprau, metra e anihi ara, e ia proprau mei rātou pātou. Maruru e te peritititeni. Maruru, whātere hau no parau tō tātou hiru o te awena. Te hamaruru la o ia sa titro le, e te whahoi rau mai propororitu i matou nei. E mi oi te rau, e aha patoutu. Aita, e rana mai te itato e te wharere ai te ewa te. Pekitini au tau whenua, pekitini au taporarhai, tato e te mou whātere hau, e te mou te ama e te eknuna, tato te itarhe mai te mahana, nari atu o. Mou whea e whar o maira, re rai mate te mere tato o rana mai te e te wharere ra. Te man o parau rāni tata tō parau whahiara, veo parau whātahurira, i te whātere rā, nā perikitine ia, tomato perikitine, e babau tū te rea e moe tātou. E tarututu e te lofrāni i te apatora, i te mau uhipa tāu, e te mau uhiparua e te au whātere rā, i rau e mei te mataiti, nā tātou e whāro mai. Je vais vous exposer brièvement les avancées concrètes de mon ministère dans les domaines de la culture et de l'artisanat. Portefeuille dont j'ai assumé la charge pendant plus d'un an. En matière d'artisanat, j'ai orienté mes efforts vers la redynamisation du secteur au travers de plusieurs actions mettant en valeur les produits locaux et la créativité des artisans traditionnels. Le pays a ainsi participé à l'organisation de 11 manifestations artisanales au cours de l'année 2010 pour encourager les professionnels du secteur à exposer leur production, mais surtout pour soutenir les initiatives des Polynésiens des archipels éloignés de leur créativité et l'écoulement de leurs produits. Le secteur de l'artisanat a ainsi bénéficié d'un soutien financier du pays à hauteur de 44 millions de francs.
Ces manifestations ont généré un chiffre d'affaires de plus de 250 millions, soit un franc investi engendrant 5,73 francs de retombées économiques au bénéfice des artisans. Par ailleurs, 10 manifestations n'ayant disposé d'aucune aide du pays ont engendré un chiffre d'affaires de 58 millions. Au final, le secteur de l'artisanat a engendré un chiffre d'affaires global de 312 millions pour l'exercice 2010. Les chiffres d'affaires des manifestations sont plus qu'honorables, malgré la crise économique mondiale actuelle. En matière d'investissement, des efforts ont été accomplis dans l'édification et la gestion des forêts artisanaux, afin de mieux répondre aux attentes des associations d'artisans. Le cadre juridique des autorisations d'occupation temporaire des forêts artisanaux a été élaboré en collaboration avec le service des affaires foncières. Dans le domaine de la culture, l'exercice 2010 et ce début d'année 2011 auront été marqués par la reprise de dossiers importants, avec là encore des avancées concrètes. Ainsi, le projet de classement UNESCO des sites des Marquises et du Marais Tapdeboité a été poursuivi. En mai et juin 2010, les Marquises ont fait l'objet d'une réinscription sur la liste indicative de la France en tant que bien mixte en série, tandis que le site de Tapdeboité a été inscrit pour la première fois en tant que bien culturel transnational. Les comités de gestion Marquise ont été mis en place. Et j'ai réuni les collèges d'experts Marquise et Tapdeboité. Concernant Tapdeboité, un projet de construction d'une pirogue traditionnelle s'intégrera au plan de gestion. Nous avons enfin élaboré les cahiers des charges pour le recrutement de bureaux d'études spécialisés dans le patrimoine pour la rédaction des rapports finaux. En ce qui concerne le projet de centre culturel, j'ai réuni un groupe de travail composé de représentants des cultures de nos archipels. Depuis près d'un an, ce groupe de travail a soumis ses réflexions et ses propositions sur différents aspects du futur centre culturel, que ce soit en matière de contenu, d'emplacement, d'agencement, de gestion. Le lieu d'implantation du futur centre culturel a été ainsi arrêté sur l'actuel espace de Toata. Sur la base de tous ces éléments, il a été demandé à l'EAD un travail de programmation afin de préparer le marché d'appel d'offres en cadrant un concours international d'architecture. Et donc, il y a une convention, on est en phase de formaliser une convention avec l'État pour le financement du projet. Nous avons participé en novembre 2010 à l'organisation du 40e congrès international du CIOFT qui œuvre pour la diffusion de la culture traditionnelle et populaire. Les contacts noués avec les représentants du CIOFT international m'ont permis de planifier plusieurs actions importantes de promotion de notre culture. La participation d'un groupe de danse polynésien au 40e Folkloriade mondiale organisée à Onsen, Corée du Sud, du 1er au 14 octobre 2012. L'envoi d'une délégation d'artisans polynésiens au 40e congrès international du CIOFT qui se tiendra à Paris au mois de novembre 2012. Et surtout, l'organisation Polynésie française d'un festival international annuel d'art traditionnel qui permettra d'attirer les spectateurs dans notre pays. La première édition se tiendra du 4 au 15 avril 2012, durant les 2 semaines de vacances de Pâques, donc un peu une période creuse dans l'année, et rassemblera
des délégations de 10 à 15 pays. Il y a 12 pays déjà qui ont confirmé. Ainsi que des groupes en provenance de nos archipels, 600 à 700 personnes, artistes et personnels accompagnateurs seront ainsi attendus. J'ai souhaité donner une nouvelle impulsion aux célébrations du Matari Inya et du Matari Idaro. Pour la première fois cette année, leur organisation a été confiée aux associations qui ont été accompagnées dans cette tâche par des aides financières de mon ministère. Le résultat a été à la hauteur de nos espérances, avec un succès populaire de la célébration du Matari Inya au mois de novembre dernier dans les jardins de Paofai. Le thème de la pirogue et de la navigation traditionnelle a permis de proposer aux scolaires divers ateliers, des navigations sur pirogue à voile, des conférences, etc. Le Heiwai Teti a fait l'objet de concertations avec les groupes de chant et de danse, ainsi qu'avec les communes afin de rendre à cet événement son esprit original et les valeurs du Heiwa d'antan. Une fête authentique et populaire. Des contraintes budgétaires ont limité ce projet à une réforme partielle pour cette année de transition. Néanmoins, on trouvera parmi les nouveautés du Heiwai Teti 2011 une participation à la hausse des écoles et des groupes de chant et de danse, dont certains représentent des communes de Teti. Et je précise par ici la participation au nom des communes de Papara, Papete, Mataya et Punavia. La gratuité de l'accès aux tribunes latérales de Tuata, cela représente à peu près 1340 places. Un nouveau mode de désignation de jury et de son président et l'intégration aux festivités de la rencontre Orero des écoles primaires et de l'élection de Miss Teti. Enfin, je mène actuellement le projet de création d'un Heiwai Daromatai, regroupant tous les lauréats du Heiwa de chaque île ou commune des îles sous le vent. Plusieurs réunions préparatoires se sont tenues au cours des derniers mois et un comité organisateur local a été créé. Cet événement est organisé pour la première fois sur les deux réacteurs, plus précisément à Outuroa, du 25 au 28 juillet 2011. Maruru Tamna Outuroa. L'investissement dans le domaine culturel n'a pas été oublié, avec plusieurs chantiers de travaux. Ainsi, la toiture du musée et de ses bureaux administratifs a été rénovée en 2010 pour un investissement de 105 millions. Nous avons débuté le chantier de la climatisation et de l'insonorisation du grand théâtre de la Maison de la Culture avec une subvention du pays de 220 millions. Le chantier doit durer 6 mois pour une ouverture en septembre 2011. Le renouvellement du matériel technique de spectacle est également financé à hauteur de 35 millions. Il est également prévu d'édifier un bâtiment tipperui pour accueillir le matériel technique de spectacle et son personnel. Une AP de 200 millions a été octroyée par votre assemblée. Les études sont en voie de finalisation et le chantier débutera au mois d'août 2011. Enfin, nous avons poursuivi le chantier restauration de la cathédrale Saint-Michel de Rikitea, qui fait l'objet d'un cofinancement État Polynésie française Kamika à hauteur de 483 millions. Des réunions du comité de suivi de chantier se sont tenues mensuellement afin de régler tous les problèmes d'ordre administratif, financier, technique. Une convention financière entre la Polynésie française et le Kamika a permis le reversement par le Kamika de sa propre participation ainsi que de celle perçue de la commune des Gambiers et de l'Association des Amis de la Cathédrale. La fin du chantier est prévue au mois de septembre 2011, avec une inauguration au mois de décembre. Voilà, comme vous pouvez le constater,
C'est au travers de projets concrets précis que je traduis notre action au sein du ministère de la Culture, de l'Artisanat, Maruru et Maruru Maitesvarurama. Tra Britim. Maruru, Maruru Fatrehau, Fatrehau Nupal Tabira, Mona. C'est bon. Hey, Tato, Ote Amui Mai, Ite Ne Horab Up Oi, Tramai Tap O Terfa. Prititini Ot Chaufinua, Tanoa Tu, Tumov Atrehau. Prititini, Not Apuar Hei, Tumot Ia, Imaiti Nun A. Tato te amui mai, i tene horap up oi, e tano atu, tamo pap e vea, e mo fe atua e wha arumai nei tato i tene mhan. E ho horapoto no atu vau, i to u mauman o, i eit parau no te tere a, i wha anho hia mei au, i to i wha anho rata tato nei wha rehap i a, i to i tene area po e matheiti hau, E te oe tātara huahuaro atu, te mou whanhor a i whanhor hia. Hina arawa oe horo atu te whiruri a e te man o i roto i au no te tūr eit a te parau no te wharehap eit a i roto i tō tātou nei whenua. Aussi, si vous me permettez, je serai très synthétique hein, quant à, aux actions que j'ai pu conduire pour... rendre notre système éducatif en Polynésie française, je dirais, des plus efficaces, plus que de vous parler des déclinaisons des différentes actions que j'ai eues à mener dans notre système éducatif, je voulais surtout vous parler ce matin de la philosophie et de l'état d'esprit qui m'a présidé tout au long de cette année passée. Je crois que c'est parti d'un constat. Constat d'abord relayé par le compte-rendu des États généraux de l'Outre-mer. Et si vous lisez, si vous avez eu l'occasion de prendre connaissance de ce compte-rendu, qui conclut ceci, un système éducatif coûteux pour des résultats médiocres. Voilà ce que conclut effectivement le compte-rendu des États généraux de l'Outre-mer. Par ailleurs, vous avez également un rapport de l'inspection générale qui compare le système éducatif polynésien à une vaste zone de ZEP, c'est-à-dire une zone d'éducation prioritaire en métropole. Bien entendu, l'expert du système éducatif que je suis a souhaité s'inscrire en faux par rapport à ce qu'on a pu conclure dans le cadre de ces deux écrits. C'est-à-dire que j'ai souhaité placer mon regard au niveau du système éducatif par rapport aux actions qui sont réellement menées dans nos établissements en Polynésie française. À savoir, vous avez deux manières de voir le système éducatif. Nous pouvons continuer, effectivement, à se dire, voilà, on va se positionner, on va regarder le système éducatif par rapport à l'échec scolaire, par rapport à l'illettrisme, par rapport au décrochage au niveau de l'entrée dans la lecture, par rapport au taux d'absentéisme. Certes, nous pouvons regarder notre système scolaire de cette manière. Mais ça va faire des décennies que nous regardons notre système scolaire de cette manière. Moi, il me semble, et que ça n'a jamais véritablement contribué à valoriser le système scolaire. J'ai décidé de regarder notre système scolaire différemment. J'ai décidé d'impulser cet état d'esprit aux équipes pédagogiques dans nos écoles en Polynésie française. Quel est ce regard? C'est de dire que nous réalisons également de bonnes choses à l'intérieur de notre école avec un grand E. Mais, sauf que notre système scolaire ne prend pas le temps de communiquer suffisamment à l'opinion publique ce qui se passe à l'intérieur de l'école. Donc j'ai souhaité pendant plus d'une année faire en sorte de communiquer davantage sur ce qui se passe réellement à l'intérieur de nos écoles. Certes, je n'ai pas la prétention de dire que nous allons réussir à tout solutionner, mais je dis que si nous avons un regard, si nous impulsons un véritable regard positif sur le système éducatif, on arrive à transcender les équipes. C'est cet état d'esprit qu'il faut avoir. Et je n'ai eu de cesse, lors de mes rencontres avec les différentes équipes pédagogiques, avec les enseignants, nos chefs d'établissement,
de poser le cadre institutionnel, certes, de poser le cadre opérationnel. Mais une fois que j'ai posé le cadre institutionnel et le cadre opérationnel, est-ce que je peux dire que j'ai réussi ma mission? Je dis non, non. Le ministre a le devoir de transcender ses équipes, de dire à ses équipes le pourquoi on se lève chaque matin pour venir faire son travail. On se lève pour venir faire son travail chaque matin parce qu'on aime son pays. Parce qu'on aime son pays et parce qu'on aime tout de son pays. On ne peut pas aimer une seule partie, une seule facette de son pays. Il faut aimer les avantages, mais également les inconvénients de son pays. Et une fois que l'on a ça en soi, on peut véritablement transcender, aider nos élèves et comprendre que ce que nous faisons au quotidien pour nos élèves en Polynésie française, c'est pour permettre l'épanouissement de notre pays. C'est pour faire émerger l'imagination. C'est pour faire émerger la créativité qui va permettre à notre pays de maintenir les beautés que nous connaissons, de maintenir effectivement ce label qui fait que nous sommes connus dans le monde. Merci de votre attention. Maru, Fatrihel, Tivambling. Président Maru, messieurs, mesdames et messieurs les représentants, chers publics, chers journalistes, Yorana, internautes, je vais être bref, le temps nous est compté. Donc je ne ferai pas une rétrospective des actions du ministère du Tourisme cette dernière année. Par contre, comme vous le savez, vous avez dû certainement l'entendre, nous avons hier finalisé la rédaction de la stratégie touristique et je souhaitais en profiter de cette tribune pour rapidement faire un tour de ce que la centaine de personnes qui ont participé à ces travaux recommandent, non seulement au gouvernement et au prochain nouveau gouvernement dans les semaines, mois et années à venir, mais également à l'ensemble de la population polynésienne. Dans un premier temps, Président, permettez-moi de simplement préciser que cette recommandation stratégique a été présentée à 10 communes touristiques, et lorsque je parle des communes, je parle bien évidemment de leurs tavana, mais également de leurs conseillers municipaux, certains membres d'associations, également des professionnels des îles qui sont venus écouter et partager les convictions de ce rapport. Il en ressort, mesdames et messieurs les représentants, de toutes les rencontres que nous avons pu faire avec ces 10 communes, que tout le monde est d'accord avec les recommandations que nous proposons, parce que ce n'est pas seulement les recommandations d'un gouvernement, ça a été élaboré, ce document a été élaboré avec les agents du service public, mais également les professionnels du secteur privé. Simplement aussi pour dire en introduction, Président, que chacun d'entre vous y a participé quelque part, parce que nous avons pris le soin de ressortir la trentaine de documents qui ont été rédigés depuis les années 50, sur les recommandations de développement touristique de la Polynésie française. Et je cite quelques-uns, le New Deal qui a été élaboré sous le gouvernement Temaru, mais également les schémas directeurs élaborés sous le ministère de Mainassage, mais également, bien entendu, les travaux des États généraux. Donc tous ces documents, nous les avons lus, nous les avons utilisés pour élaborer cette recommandation stratégique. Alors, le premier constat qui est important que chacun d'entre nous, chacun polynésien qui m'écoute aujourd'hui, c'est de bien prendre conscience que le tourisme, c'est le seul moteur de notre économie, la première industrie du pays avec 40 milliards de recettes touristiques, loin devant la perle. La perle est à 7 milliards. La perle, bien entendu, dispose d'un potentiel encore. La vanille est à 200 millions en 2010 de recettes. Donc c'est grâce au tourisme que nous sommes capables, que nous serons capables demain de pouvoir préparer et léguer à nos enfants, aux générations futures, un avenir et une situation économique, un développement économique pérenne. Et donc, je rebondis tout de suite pour préciser que cette activité, ce secteur touristique doit être la base d'un nouveau modèle économique et social pérenne. Il va se décliner ensuite si nous sommes capables, tous ensemble, et pas seulement les gouvernements, mais également vous, représentants de l'Assemblée, dans les autres secteurs, de l'urbanisme, de l'éducation, de l'environnement. Donc on ne parle pas seulement de tourisme, on parle réellement
dans ce document d'un projet de société. Nous voulons, Monsieur le Président, faire de ce secteur touristique la locomotive de notre pays. Et pour le rendre diffusable au maximum de personnes, nous l'avons rendu téléchargeable sur Internet, sur les sites du service du tourisme et également du GIE Tahiti Tourisme. Un petit bilan, si vous permettez, sur l'industrie touristique aujourd'hui. Nous avons regardé ces 20 dernières années quels étaient nos scores. 185 000 visiteurs par an sur les 20 dernières années. Donc, bien entendu, face à ce décollage qui n'a pas eu lieu, il est important de pouvoir choisir un cap et un cadre de travail. À regarder de plus près, vous regardez sur les 4 dernières années, l'activité touristique a connu, vous le savez tous, chers représentants, une chute avec une certaine forme de stabilisation en 2010, les effets climatiques, mais également les événements de crise et autres blocages d'aéroports ont fait que le premier semestre a été très difficile, mais sur le second semestre, nous sentons réellement et nous constatons qu'il y a une reprise de l'activité touristique. Et pour cause, au mois de décembre 2010, nous étions à plus 6,5 et au mois de janvier, nous sommes à plus 26%. Donc ce résultat, ce n'est pas le travail du gouvernement, c'est bien entendu une grande partie les résultats du travail des professionnels, des serveurs, serveuses, de tout le personnel qui travaille dans les hôtels, mais également propriétaires de pensions de famille, les prestataires d'activités. Et vous le savez, l'activité croisière est en train de revenir. Au niveau international, l'activité, vous le savez, reprend également, plus 6,7 en 2011, prévu. Et donc les tendances mondiales de fond vont privilégier la mondialisation, une place grandissante des nouvelles technologies dans Internet. Et comme vous connaissez l'éloignement de la Polynésie, toutes les autres destinations émetteurs, émettrices, nous avons bien entendu besoin de ce nouveau moyen de communication et de vente. Ce qui est important également pour nous, c'est cette croissance du tourisme responsable. Et là, la Polynésie a clairement une carte à jouer. Nous sommes isolés au milieu du Pacifique. Cet isolement aujourd'hui est considéré comme un inconvénient. Les prix de billets sont chers, le pétrole coûte de plus en plus cher, et donc demain il en coûtera de toute façon plus cher pour venir en Polynésie française. Quoi faire face à ce constat qui en plus privilégie des voyages autour de thématiques, d'activités, d'expériences lorsqu'on sait que la Polynésie a essentiellement misé sur des plages blanches, des bungalows sur l'eau, où on n'a pas cette image de dynamique dont la destination a tant besoin à l'international. Alors, nos atouts, principalement et rapidement, mais que Tahiti, ce n'est pas seulement un nom. Tahiti est une marque. La Nouvelle-Calédonie, les Seychelles, les Maldives ne sont pas des marques. Tahiti est une marque et chaque exportateur vous le confirmera. Chaque exportateur vend ses produits grâce réellement à son attachement à la marque Tahiti. Vous le savez également, au regard des écrits de nos différents navigateurs, ceux qui ont découvert notre Fainua, mais également à Jacques Brel et autres, Paul Gauguin, qui ont préféré terminer leur vie en Polynésie française, la Polynésie est un mythe, je dirais même plus un fantasme. Mais il ne faut pas en rester là. Il nous faut aujourd'hui transformer ce mythe en réalité, en privilégiant bien entendu notre culture, notre art de vivre vibrant et authentique, dans un cadre d'environnement naturel, exceptionnel et unique. Ce qu'on oublie également de préciser assez souvent, c'est que la Polynésie bénéficie d'infrastructures réglementaires et sanitaires sécurisantes. L'ouverture de l'hôpital il y a quelques mois, justement, va dans ce sens. Au niveau de nos inconvénients, eh bien, toujours cette accessibilité, cet éloignement dont je parlais juste avant, nous avons besoin également de nous différencier au niveau commercial et marketing. Une contrainte coût structurel due à notre éloignement, un rapport qualité-prix perfectible et puis une industrie locale désorganisée. Les professionnels l'avouent eux-mêmes, l'industrie locale touristique est désorganisée. Nous avons besoin de la restructurer. Alors face à ce constat, mesdames et messieurs, que faire? Face à ce constat un peu alarmant. Effectivement, nous sommes avec nos équipes motivés par les dernières statistiques de fréquentation, mais au regard de ce qui s'est passé ces dernières années, on aurait tendance à dire, baissons les bras,
et laissant la Polynésie continuer à vivre des apports financiers de l'État et ne pas porter l'attention que notre développement touristique mérite au regard de la notoriété de la marque Tahiti. Pour rappel, l'État dépense en Polynésie française l'équivalent de 75 milliards de francs pacifiques, approximativement 200 milliards. Les recettes touristiques, je le disais, c'est 40 milliards. Il nous faut donc au moins multiplier par 5 nos recettes touristiques pour envisager un jour, Monsieur le Président, se passer des apports de l'État. Alors l'IOM va plus loin en disant qu'un éventuel développement touristique va bien entendu augmenter les importations de biens et de services qui réduit de moitié la valeur ajoutée du secteur. Et donc ce n'est pas 1 million de touristes qu'il nous faudra demain, c'est entre 1 million et 2 millions de touristes si on veut un jour imaginer se passer des apports de l'État. Vous imaginez l'effort qu'il nous faut et le grand pas qu'il nous faut faire. Alors, bien entendu, nous décideurs, on peut difficilement faire les choses nous-mêmes. La seule, je pense, valeur ajoutée que j'ai pu apporter au niveau de mon ministère, c'est réellement d'avoir pu mettre autour de la table, une centaine de personnes qui ont pu élaborer la stratégie touristique avec moi. Ce que nous préconisons, et là je m'adresse à la population qui nous regarde, c'est d'avoir le courage de mener les changements qui s'imposent. Compter sur chacun d'entre nous, mais ne pas attendre des autres. C'est pour ça que je crois à la formidable capacité d'adaptation du peuple polynésien. Transformer notre isolement en avantage. Et pour ça, la biodiversité polynésienne, les tortues, nos cascades, nos plages, nos rivières doivent être respectées. S'appuyer sur notre population qui soutient le développement touristique. Personne dans les îles nous a dit nous ne voulons pas des touristes. Et améliorer le rapport qualité-prix de notre destination. Alors je ne serai pas long, je vais conclure là-dessus. Il faut bien entendu pouvoir se donner un cap lorsqu'on monte dans un avion et qu'on veut aller dans une destination. Il faut bien entendu choisir le chemin. Quelle vision pour le développement touristique de la Polynésie française? Finalement, ce que l'on souhaite, on souhaite proposer à l'ensemble de la population polynésienne, mais également à vous, décideurs, c'est finalement de revenir à ce qui a fait la notoriété de la Polynésie française, ceux qui ont découvert la Polynésie, les Wallis, Cook, Bougainville, Paul Gauguin et autres, ce qu'ils ont trouvé en Polynésie française, Marlon Brando, les mutinés de la Bounty, eh bien c'est que la Polynésie française finalement était le dernier jardin d'Éden. Et elle peut encore le rester. Et pour ça, il nous faut beaucoup d'efforts en faveur de notre environnement. Donc le chantier est vaste. Et pour ça, il nous faut bien entendu travailler tous ensemble. Pour guider nos choix, nous avons proposé des valeurs, Maeva, l'accueil, Meitei, le bon, la qualité, la recherche de la performance, le Rahui, le respect et la gestion des ressources, Operera, le partage. Donc nous promettons, au travers de cette stratégie, Président, de garantir aux visiteurs une expérience unique et inoubliable qui le fera revenir. La Polynésie dispose d'un énorme potentiel de développement touristique. Honorer la population, valoriser notre culture et asseoir notre développement dans le respect mutuel de tous les acteurs du secteur touristique, mais également de tous les politiques. Président, nous n'avons pas souhaité faire de notre stratégie et recommandations un catalogue de bonnes intentions. Nous sommes allés jusqu'à prioriser des actions de 2011 jusqu'en 2013. Donc j'espère, quel que soit l'avenir des prochains jours, que ces travaux seront repris et que la continuité se fasse en faveur du développement touristique. Maruru à tous. Maruru Fatrehau, Monsieur Nicolas Bertolon. Yurana Tatoubato, Monsieur le Président de l'Assemblée. Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les membres du public, Mesdames et Messieurs les internautes, Mesdames et Messieurs les journalistes, Yorana. Alors, si vous voulez bien, je vais faire la transition entre le ministre du Tourisme et mon portefeuille à moi, parce qu'il parlait d'environnement.
Donc je commencerai directement par l'environnement. Même si j'aurais pu vous demander, en tant que ministre de la Santé, comment vous portez-vous. En tout cas, j'imagine très bien. En tout cas, en matière environnementale, il y a un catalogue effectivement d'actions qui ont été menées avec des résultats notables. Je vous parlerai par exemple de Nivet, qui est resté pendant plusieurs années grosse installation qui nous a coûté énormément d'argent à la puissance publique, mais qui ne fonctionnait pas. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, Nivet, l'incinérateur, permet de pouvoir gérer l'ensemble de ce qu'on appelle les DASRI, les déchets d'activité de soins à risque infectieux, qui viennent aussi bien de producteurs publics que privés. Pour les îles de Tahiti et Moria, et nous mettons en place les filières de récupération de ces DASRI pour les îles les plus éloignées. Donc actuellement, l'avancée notable, c'est que ces déchets très toxiques et très dangereux ne se répandent plus dans la nature ou ne sont plus détruits de façon pas du tout adéquate. Actuellement, ils sont gérés directement par Nivet. Je pourrais aussi vous parler des centaines de véhicules que nous avons récupérés qui ne se répandent plus dans notre environnement et que nous exportons vers la Nouvelle-Zélande. Ou d'autres avancées notables comme le schéma directeur de ce que nous voulons faire pour la gestion des déchets au niveau des archipels éloignés, au niveau de l'archipel des îles sous le vent. Ce sont des dossiers qui sont en cours et qui avancent bien. Sans vouloir trop empiéter, parce que c'était aussi un sujet en interministérialité avec le ministre de l'Aménagement, à travers une mission que j'ai pu avoir sur Paris, nous sommes en train de formaliser ce qu'on appelle le CPEG, le Conservatoire Polynésien des Espaces Gérés. En gros, c'est une entité qui va regrouper trois entités qui existent en métropole. En métropole, nous avons une entité qui est dévolue à la gestion des espaces maritimes, qu'on appelle l'AMP, l'Agence des aires maritimes protégées. Nous avons le Conservatoire du littoral et nous avons des tas d'entités qui gèrent tout ce qui est espace terrestre naturel. En Polynésie, à travers ce qu'on appelle le Grenelle de la mer et sa déclinaison locale, qui est le comité Ruatu, nous avons pensé faire une entité unique donc, qui s'appelle le CPEG. Avec l'élément important à retenir, c'est le G de gestion. Dans la mesure où il faut tenir compte de la présence des habitants qui sont dans les îles, on ne peut pas faire les choses sans tenir compte de leur présence. Donc, on met en place la notion véritablement de gestion, même si déjà au préalable, par le passé, nous avions déjà eu des approches de sanctuarisation de certains espaces de façon à ce qu'il n'y ait aucune activité humaine pour préserver ces milieux naturels. C'est pour la partie environnementale, dans les grandes lignes, ce que j'ai essayé de faire en 4 mois. Et je vous parlerai aussi un peu de la solidarité de cet autre portefeuille que j'ai récupéré depuis 1 mois. Mais rendons à César ce qui appartient à César. Et je voudrais ici solennellement saluer tout le travail qui a été fait pendant 14 mois par notre collègue et néanmoins ami, Madame Théoura Eriti, qui a porté ce portefeuille pendant tout ce temps, où il y a eu des avancées notables. Ce qu'il faut retenir, c'est que à travers des approches de concertation et des discussions avec les différents partenaires sociaux, nous avons fini par déboucher sur des accords qui nous permettent d'équilibrer nos dépenses de santé. Et c'est un travail qu'il faut saluer. Personnellement, l'approche que j'en ai, c'est de dire qu'effectivement, si nous devons réfléchir à travers la possibilité de mettre en place une cotisation, une augmentation des cotisations des uns et des autres, il faut avoir à l'esprit en permanence une approche d'équitabilité. Il n'en demeure pas moins que je suis convaincu aussi que nous pouvons résorber le déficit de nos dépenses en matière de santé, au travers effectivement d'une augmentation, mais pas seulement, au travers aussi d'une réorganisation. Sachez simplement que j'ai commencé à mettre en place une stratégie de mutualisation de nos laboratoires publics, qui à terme, j'en suis convaincu, pourrait engendrer une économie de pratiquement 1 milliard au niveau de la CPS. Et pour ce qui est du fonctionnement de l'hôpital, avec un investissement pas si conséquent que ça, d'une centaine de millions, ça permettrait de pouvoir acquérir une unité de production de fluide, d'oxygène, qui engendrerait une diminution du budget général de l'hôpital d'à peu près quelque chose comme 180 millions par an. C'est autant d'argent multiplié sur plusieurs années qui ne serait pas consacré par les cotisants de la CPS. Et je ne vous parlerai pas de toutes les autres stratégies que nous mettons en place pour essayer de diminuer de façon durable la consommation d'électricité due à quoi ? À la climatisation de notre hôpital et d'autres infrastructures périphériques.
en matière de santé, nous avons effectivement échafaudé d'autres stratégies de mutualisation. Je vais vous donner un exemple très parlant. Au sein de Malardé, nous avons une spécialité en laboratoire de biologie médicale qu'on appelle l'anatomopathologie. Nous avons la même spécialité au sein de l'hôpital de Mamao, mais il y a un spécialiste, un docteur biologiste de ce domaine, Taoné. On a un aussi à Malardé. Ce n'est pas assez. Quand ils partent en congé ou qu'ils sont absents, ils ne sont même pas dans une situation de fonctionnement en mode qu'on appelle dégradé, mais ils sont en non-fonctionnement parce qu'il n'y a plus le spécialiste en question. Il était question à un moment donné que Malardé recrute un deuxième médecin biologiste en anatomopathologie et Taoné aussi. Alors, l'anatomopathologie, c'est simple, c'est qu'on va chercher des bouts de tumeurs, qu'on va chercher des bouts de matière et qu'on analyse pour savoir de quelle maladie, de quelle pathologie la personne souffre. C'est simple, mesdames, par exemple, les flottilles sont analysées en anatomopathologie. Alors là, le truc, c'est que chacun voulait aller recruter un médecin, ça allait coûter 1,5 million chacun, multiplié sur une année, ça allait faire 36 millions de dépenses publiques, alors qu'il suffisait de mutualiser les deux, de façon à ce que tout puisse se faire dans l'un ou l'autre. La semaine dernière, en conseil d'administration du CHPF, on l'a avalisé. Par le passé, on aurait choisi la solution facile de faire quoi ? De dire, on recrute un médecin à Malardé, on recrute un médecin à Taoné, et puis voilà, on est à l'aise. Mais il n'y a pas le volume d'activité qui justifierait qu'il y en aurait 4 à 2, simplement, ça suffit largement. Et 36 millions d'économies, je vous rappelle tout simplement que, là j'avais un dossier tout à l'heure, un dossier pour le budget de subventionnement et de fonctionnement de la maison du diabétique dans le cadre de tout ce qui est activité de prévention pour les diabétiques, c'est 30 millions à l'année. 36 millions d'économies que je ferai d'un côté, ça permettrait à la maison du diabétique de continuer à fonctionner. En réfléchissant et en ayant à l'esprit les tenants et les aboutissants de notre problématique en matière de santé, je suis convaincu qu'en se bousculant les méninges, on peut trouver les moyens de mieux fonctionner et faire en sorte que ça coûte beaucoup moins cher. Mais bon, je ne vais pas m'attarder plus longtemps. J'aime bien de temps en temps réfléchir, discuter, mais j'aime bien aussi aller dans le concret. Dans les semaines qui viennent, je devais me rendre aux îles sous le vent et inviter solennellement tous les représentants des îles sous le vent, ainsi que les élus des îles sous le vent, tous les maires et l'ensemble du gouvernement à l'inauguration de notre laboratoire de Outourois pour vous montrer exactement concrètement ce que nous avons fait, parce que c'était il y a 2 ans. Lorsque j'étais ministre avec le gouvernement d'Oscar Atemaru, j'avais enclenché les travaux de construction de ce laboratoire. Dans les semaines qui viennent, on devait l'inaugurer. Et surtout, je voulais, une fois n'est pas coutume, parce qu'il faut aller dans le concret, je voulais montrer à mes collègues représentants et à l'ensemble des élus des îles sous le vent quelque chose que j'avais promis à tout le monde, c'est de faire concrètement avancer notre dossier de quoi ? De centre d'hémodialyse des îles sous le vent. Alors, je peux vous montrer au bout de 4 mois. Voilà le plan, notre centre d'hémodialyse. C'est du concret. Et dans les semaines qui viennent, je voulais tous vous inviter à non seulement à l'inauguration du laboratoire, mais en même temps montrer la première esquisse de ce centre d'hémodialyse qui permettra à tous nos patients des îles sous le vent de ne plus se déplacer sur papier-été. Je tiens à la disposition de l'ensemble des élus le plan pour qu'ils puissent voir concrètement ce que nous avons réussi à échafauder comme projet. Normalement, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, on est capable de poser la première pierre de ce centre. C'est du concret. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Merci beaucoup. Maruru Farolame. Maruru Fatrehau, Monopretitini, Thierry Alpha. Monsieur le Président de l'Assemblée, Yorana, Monsieur le Président, chers collègues, les représentants, Monsieur le Sénateur, le public, les journalistes, Yorana et chers internautes, bonjour à tous. Je vais essayer de faire ça en 5 minutes, laisser le temps au Président de mieux s'exprimer après moi. Bien sûr que les portefeuilles qui sont portés aujourd'hui par la vice-présidence et le ministère que je gérais juste avant sont des portefeuilles importants, beaucoup de transversalité avec tous les secteurs de notre pays, que cela soit l'agriculture, le tourisme, l'environnement, et puis bien sûr un portefeuille de construction publique avec l'éducation, l'artisanat, la santé. Je ne vais pas faire le bilan exhaustif de ce qui a été réalisé. Rappelez que nous avons tous réussi
à ouvrir notre hôpital, remercier tous les gouvernements, les concepteurs de ce projet, et puis tous les architectes, les équipes qui ont travaillé dessus, bien sûr vous, les représentants de l'Assemblée, pour les financements qui ont été dégagés pour réaliser cet hôpital. Et je pense qu'aujourd'hui, la population, quoi qu'on dise, est mieux soignée, mieux traitée dans un hôpital de qualité. Bien sûr, il y a d'autres projets, des projets pour améliorer la circulation, pour améliorer les déplacements à Tahiti. Nos équipements structurants, ports, aéroports, vigies, tours de contrôle, abris de survie. Le contrat de projet aujourd'hui, celui qui est porté par le ministère de l'Équipement, nous avons déjà complètement engagé la totalité des crédits du contrat de projet. Malheureusement, d'autres projets d'abris de survie doivent être réalisés. Et donc, nous comptons sur les élus, sur le gouvernement et bien sûr sur l'État pour pouvoir penser à ces populations des îles et apporter une sécurité dans leur vie, dans les îles. Au niveau de la restructuration, bien sûr que tout ça ne marche pas si nous n'apportons pas une refonte de nos codes, le code de l'aménagement, le code foncier de la propriété publique. Ce travail n'a pas démarré, bien sûr, avec mon arrivée au ministère, puisque les services et les ministres précédents se sont engagés à faire avancer nos codes. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, que nous ne pouvons plus travailler sans transversalité. Le code de l'aménagement, nous l'avons discuté avec les opérateurs, avec ceux qui pratiquent le code, les notaires, les architectes. Et il y a aujourd'hui des textes qui sont prêts et qui devront être validés par le gouvernement et bien sûr étudiés par l'Assemblée. Il y a un projet structurant très important pour la Polynésie, l'Agence d'urbanisme et de développement. Cette agence a reçu l'aval et le soutien du comité syndical du SPC. Les maires et les communes de la grande agglomération de Papeete, Mahina Apaya, sont intéressés et doivent se mettre ensemble pour que cette agence voit le jour. C'est une agence d'expertise, de concertation, où le pays, les communes et l'État participeront pour arrêter notre stratégie d'aménagement ici à Tahiti et puis bien sûr avec les îles dans les projets de développement avec les archipels. Rappelez aussi que la proposition qui est faite, et c'est une proposition qui devrait permettre une stabilité au niveau de la direction de cette agence, c'est que la présidence de l'agence revienne à un élu de l'Assemblée pour qu'il y ait une continuité dans le mandat, qu'il y ait également une continuité par rapport à la représentativité de cette agence face aux autres partenaires. Et tout le monde économique, la CCISM, le Conseil des architectes, l'Ordre des notaires, et tous ceux qui sont impliqués dans l'aménagement et la prévision d'aménagement de notre pays attendent cet outil. C'est un outil de structuration. Pour terminer, rappelez également qu'en termes d'affaires foncières, nous avons un code de la propriété publique qui est bien sûr pas du tout finalisé, puisque les services peuvent encore apporter, et les juristes peuvent encore apporter leur amélioration sur le texte, mais ce code devrait arriver ici à l'Assemblée dans les prochains mois. C'est un code très important pour l'organisation de la domanialité, de la propriété publique. Et il est important également de rappeler que la population attend beaucoup de nous, de créer cette relation entre ceux qui savent le droit, ceux qui connaissent le droit sur le droit foncier, et cette population qui souffre dans le règlement des problèmes fonciers. Nous avons commencé, je pense que ce qui a été démarré ne s'arrêtera pas, une cellule itinérante. Mais une cellule itinérante d'information ne suffit pas. Il faudra organiser une relation beaucoup plus directe entre l'organisation judiciaire sur le tribunal foncier que nous espérons voir un jour ici et puis une organisation plus basée sur les communes et la relation avec la population à travers ces communes. Nous comptons beaucoup sur les élus et les maires pour porter le développement puisque nous sommes conscients que l'administration ne peut pas tout faire, on ne peut pas multiplier par deux notre administration publique. Donc le développement et l'étage communal est très important pour organiser notre pays.
Et pour terminer, en termes d'énergie et de stratégie d'autonomie énergétique, je pense que toute l'Assemblée aujourd'hui est d'accord que nous devons avancer pour avoir une meilleure autonomie par rapport aux futurs chocs pétroliers qui sont déjà annoncés, à notre dépendance sur cette énergie fossile qui devient de plus en plus préoccupante. Nous avons un potentiel énorme encore à développer au niveau de l'hydroélectricité. À Tahiti, nous avons encore des sites et des rivières qui ont été donc étudiées, qui ont la capacité hydraulique de voir un jour d'autres ouvrages d'hydroélectricité. On pourrait, avec l'hydroélectricité, dépasser facilement les 60% d'autonomie. Et puis, bien sûr, le solaire qui est la chance de la Polynésie. Il y a peut-être un recadrage à faire par rapport aux lois de pays que nous avons prises, aux décisions qui ont été prises il y a quelques mois pour éviter l'effet d'aubaine, privilégier l'autoconsommation, privilégier les systèmes qui permettraient donc au réseau d'être soulagé par cette consommation d'énergie solaire. Et puis toutes les autres énergies renouvelables sont disponibles en Polynésie. On ne pourra pas le réussir à mettre en œuvre tout seul. Nous pouvons compter sur le soutien de bureaux d'études ou d'organismes extérieurs pour venir nous apporter cette expertise, mais nous devons faire le pari pour que la Polynésie soit également un modèle au niveau de l'énergie renouvelable. En tout cas, merci pour votre attention. Je vais laisser le Président terminer l'intervention du gouvernement. Maru Fatrihau, Pretitini. Maru Moïdei, Pretitini, Taborarhei. Monsieur le Président de l'Assemblée de Polynésie française, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Vice-président, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants à l'Assemblée de Polynésie française, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse et des médias, Mesdames et Messieurs, chers publics, à tous ceux ou celles qui suivent par Internet le déroulement, le débat de cette Assemblée autour de cette motion de défiance, à ceux et celles des Marquises, des Tomtougambiers, des Australes, des îles sous le vent et à ceux ou celles des îles du vent. Mesdames et Messieurs, chers amis, Yorana Manavain, Naevaev, Tutier, Foto, Tatou, Atoua. Le texte de la motion de défiance résume la succession d'accusations et de condamnations sans appel des actions conduites par mon gouvernement depuis plus de 15 mois. Dans près d'un an, convient-il de le rappeler, sans majorité. Ce gouvernement honni, ce gouvernement vilipendé, quelle forfaiture a-t-il commis? Qu'a-t-il fait ou n'a-t-il pas fait pour justifier cette motion de défiance? Les interventions des différents ministres démontrent que nous sommes totalement investis dans l'action pour juguler et rétablir une situation difficile. J'ai pris acte des griefs qui me sont adressés et je vais, au travers de mes propos, qui sera volontairement bref et concis, rappeler un certain nombre de faits et de vérités qui semblent avoir été oubliés. Il nous a été dit que ce gouvernement n'avait rien fait et que nous étions incompétents. Si l'incompétence, pour vous, est d'avoir pris la mesure de notre situation et fixé des objectifs réalistes, d'avoir élaboré ou activé des mesures qui s'imposaient, combien même fut-elle difficile, et d'être resté fidèle à cette ligne, alors oui, je revendique cette incompétence. Je ne reviendrai pas sur la situation financière et budgétaire du pays,
à notre prise de fonction en novembre 2009, avec des équilibres dégradés, une épargne nette négative, un budget d'investissement non financé. Seulement 10 milliards ont été accordés par les bailleurs de fonds sur les 30 inscrits au budget du pays et des comptes sociaux totalement en berne. Il fallait sortir cette spirale de l'échec, rétablir nos équilibres, construire les bases des grandes réformes qui s'imposaient, tout en sauvegardant l'emploi et protégeant nos citoyens les plus démunis. Dès la préparation et le vote du budget 2010, nous nous sommes attachés à contenir nos dépenses de fonctionnement, à soutenir notre économie chancelante au travers de la commande publique, garante de notre développement. Ce furent les bases sur lesquelles toutes nos actions durant cette année furent construites avec le souci permanent de la transparence, du réalisme et de la sincérité. Nous n'avons rien fait, disiez-vous, ou diriez-vous. Pour autant, l'activité du Haut Conseil et du CESC n'a jamais été aussi forte qu'en 2010. En grande partie sur saisine du gouvernement, deux chiffres pour illustrer mon propos. Pour le Haut Conseil, 72 avis ont été rendus en 2010, contre un peu moins de 40 en 2009. Pour le CESC, 28 rapports contre 15 en moyenne pour les années précédentes. Permettez-moi d'ailleurs de rappeler, pour la petite histoire, qu'un certain nombre de projets de loi de pays sont encore et toujours en attente sur le bureau de notre Assemblée. Le gouvernement a travaillé, je dirais même, a bien travaillé. Je tiens ici à rendre hommage à tous les ministres qui se sont totalement investis dans la réalité de l'action publique durant cette mandature. Vous m'avez accusé de pratiquer un exercice solitaire du pouvoir. N'ai-je pas montré à toutes les étapes clés de l'exécution des décisions que nous avons eu à prendre que je me suis toujours attaché à privilégier le dialogue avec l'ensemble de nos partenaires. Je n'ai jamais refusé l'échange et la discussion avec quiconque, de la sphère politique à la société civile, dès lors que la volonté partagée et affichée était de placer en premier l'intérêt général du pays au-delà des vaines ambitions et des querelles partisanes. Si je ne peux qu'être satisfait des relations que nous avons développées avec les forces vives du pays, toutes les forces vives du pays, relations fondées sur le respect, la franchise et la volonté de dialogue, j'ai cependant le regret de constater qu'il n'en fut pas de même avec la classe politique. La chaise vide fut la réponse à toutes mes propositions de rencontre et d'ouverture, y compris lorsque j'ai répondu à vos demandes d'informations et d'explications. Non, mesdames et messieurs les représentants, nous n'avons pas à rougir de l'action de notre gouvernement durant ces 15 mois. Dans un contexte de crise sans précédent, frappant durement notre pays, avec une classe politique malheureusement hostile, où les intérêts personnels, voire partisans, ont toujours primé sur l'intérêt collectif, nous avons fait face à la situation. Notre priorité fut de redresser les finances publiques et notre économie, d'initier les grandes réformes qu'impose l'évolution sociale et institutionnelle de notre pays, tout en s'attachant
à préserver la cohésion et la paix sociale sans lesquelles aucun progrès n'est possible. Certes, en 15 mois, au regard de ces contraintes, nous n'avons pas pu réaliser tous nos objectifs et je suis conscient que beaucoup reste à faire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Grâce à une maîtrise rigoureuse et réaliste des dépenses de fonctionnement amorcées depuis le début de notre gouvernance et renforcées suite aux recommandations de la mission des corps d'inspection générale de l'État, nous avons pu dégager un excédent à la fin de l'exercice 2010 de 9 milliards des recettes de fonctionnement et restaurer notre épargne nette qui est excédentaire de plus de 4 milliards alors qu'elle était déficitaire à fin 2009 de 1 milliard. Nous nous sommes attachés ensuite à amortir au mieux les effets de la crise et protéger les plus démunis. À cet effet, afin de répondre aux attentes fortes de nos concitoyens en matière économique et sociale, mon gouvernement a, durant cette période, initié et développé 25 mesures d'aide allant, pour ne citer que les principales, de l'accession au logement, les fameuses mesures PAP-PIMPIL, au développement du tourisme à travers du COST, en passant par la création du statut de l'auto-entreprise, de l'extension de la prime à la case, de la mise en place du chèque emploi-service aux particuliers, ou de la création du statut du marin-pêcheur, et en dotant suffisamment en crédit les mesures de sauvegarde des emplois, IME, ICRE, DARS, CEPIA, sans oublier les HUPL, en dotant les crédits de continuité territoriale, voire même en augmentant le prix du Cupra. En 2010, nous avons engagé, au travers de notre budget d'investissement, 30 milliards de crédits qui ont été injectés directement dans notre économie et qui, concrètement, nous ont permis d'atténuer les effets de la crise. Par-delà ces mesures immédiates et conjoncturelles, nous devions nous attaquer aux causes profondes de nos déséquilibres minant la cohésion de notre société. Nous devions amorcer un certain nombre de réformes de fond, conditionnant notre capacité à relancer notre pays sur le chemin de la croissance et du progrès. La première a été de rétablir la sincérité de nos comptes et de réduire les dépenses publiques, et ce dès le début du budget 2010, avec une nécessaire continuité dans le budget 2011. Ainsi, au travers d'une lettre de cadrage, nous nous sommes fixés des objectifs de réduction. Moins de dépenses, moins d'impôts. Nécessaires, mais réalistes de nos dépenses, tout en préservant notre capacité d'investissement, en reconstituant notre épargne nette qui conditionne notre capacité d'emprunt. Souvenez-nous des mesures, moins 3% sur la masse salariale, moins 6% sur les dépenses de fonctionnement des services et des pouvoirs publics, et moins 10% sur les dépenses de transfert. La deuxième concerne tout naturellement notre appareil administratif. Ce service public dont on nous reproche la taille surdimensionnée et les coûts de fonctionnement exponentiels, nous sommes là aussi assigné des objectifs de réduction avec le souci permanent d'une meilleure efficacité. À ce jour, la phase d'analyse et de diagnostic est achevée. Les assises du service public ont plusieurs séquences prévues des mois d'avril à juin 2011 permettront d'acter les modalités et le calendrier de ce vaste processus de refonte
Sa mise en œuvre effective démarrera à la fin de l'année en cours pour se développer et s'achever sur les années 2012 et 2013. La troisième réforme importante que nous avons inscrite au rang de nos priorités concerne notre système de protection sociale généralisée. Cependant, avant de nous attaquer à ce chantier, nous avons souhaité résorber son déficit cumulé, rappelez-vous, 16 milliards, et rétablir l'équilibre des budgets 2011 des trois régimes sociaux, RGS, RNS et RSPF. C'est ainsi que dans le cadre des travaux tripartites et en étroite collaboration, concertation avec nos partenaires sociaux, nous avons pu dégager un consensus afin d'assumer dans le temps l'apurement de ce déficit grâce à la création du fonds d'amortissement du déficit social, permettant le rétablissement de l'équilibre également des comptes sociaux. Nous n'avions pas attendu la montée du mécontentement de la société civile et de l'ultimatum qui a été lancé hier, qui aujourd'hui nous interpelle, certes, pour inscrire dans le projet de budget les moyens nécessaires. Malheureusement, nous n'avons eu de cesse que de mettre à mal et de supprimer dans ce dernier la traduction financière de ces efforts et mesures qui s'imposaient. C'est la caractéristique du budget que l'Assemblée a voté. Enfin, la quatrième réforme, celle de notre fiscalité, est plus que jamais nécessaire puisque la crise a révélé que nous sommes arrivés aux limites de notre système fiscal. C'est ce constat qui a orienté nos choix pour l'élaboration du budget 2011, dans lequel nous voulions introduire l'amorce d'une plus grande équité fiscale. Certes, la voix des défenseurs des intérêts catégoriels et particuliers a été plus forte que celle des laissés pour compte dans une société où les inégalités se creusent. J'espère que ce tumulte n'occultera pas la perception d'une réalité qui s'impose. Dans cette affaire, nous sommes allés vite, trop vite peut-être. Je comprends et j'accepte les critiques sur la forme. Je ne peux les retenir sur le fond. C'est la cohésion de notre société et l'avenir de notre pays qui sont en jeu. Pour achever mon propos, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, je voudrais m'attarder quelques instants sur les motifs exposés dans votre motion de défiance qui justifierait cette censure. S'agissant d'abord du budget 2011 et des avatars de son adoption due, selon vous, à mon entêtement et à mon mépris délibéré à l'égard de la légitimité démocratique de votre institution, qu'il me soit permis de rappeler les atermoiements et les manœuvres d'arrière-garde développées par certains durant près de 3 mois pour bloquer son adoption. J'ai pris en compte vos revendications en acceptant une baisse significative de recettes prévue initialement dans le premier projet de budget. Pour autant, je ne pouvais accepter de remettre en cause l'engagement pris avec les partenaires sociaux de créer un fonds permettant à la fois d'apurer le déficit de nos régimes et d'équilibrer leur budget pour 2011. Condition indispensable pour aborder sérieusement la réforme de fond de notre système de protection sociale généralisée. Je ne pouvais pas non plus laisser croire qu'il était possible de construire un budget augmentant les dépenses
sans recette nouvelle. Un tel propos relèverait pour moi de l'utopie, voire de l'inconscience, mais plus grave encore, de la malhonnêteté à l'égard de nos concitoyens, et je ne pouvais forcément y consentir. En mettant en jeu ma responsabilité, je n'ai fait qu'appliquer les dispositions prévues dans notre statut d'autonomie. Il vous appartient alors de me censurer par le dépôt d'une motion de renvoi. Vous faites référence ensuite à l'aggravation de la situation économique et à la baisse de la notation délivrée par Standard & Poor's pour justifier votre motion. Je me suis déjà largement expliqué plus avant au travers de la présentation de notre bilan, qu'il me soit simplement permis d'ajouter que cette note aurait dû être dégradée dès l'année dernière au vu des résultats de l'année 2009. Moins un milliard d'épargne nette, le budget d'investissement non financé. Si cela n'a pas été le cas, c'est en raison justement des mesures prises par notre gouvernement dès son arrivée et qui allaient dans le bon sens. Pour autant, cette dégradation s'inscrit dans un processus touchant à la notation des États souverains et des collectivités locales. Je ne suis pas tout seul d'ailleurs à m'élever contre ce comportement des agents de notation. Vous avez lu dans la presse que le ministre des Finances, Mme Lagarde aussi, a eu la même attitude vis-à-vis de ces agences. Pour nos bailleurs de fonds que j'ai rencontrés à Paris lors de ma courte mission, l'effet négatif de cette dégradation a été compensé par le constat de la nette amélioration de nos comptes et par la poursuite du redressement opéré dès le début de l'année 2010. Ils m'ont d'ailleurs proposé une levée de financement à l'auteur de nos besoins exprimés pour 2011. Ceci est dû, je le répète, à nos efforts de redressement avéré depuis plus d'un an et nonobstant la dégradation de notre note par Standard & Poor's. Il n'en est malheureusement plus de même depuis l'annonce de la motion de défiance. Elle a provoqué une onde de choc négative qui les contraindra à réévaluer le niveau de risque quant à la délivrance des financements nouveaux, et je tenais à vous informer de cette réalité. Quant à une légitimité moribonde, troisième motif soulevé, elle date de plus d'un an et ne nous a pas empêché de mener à bien les grands objectifs que nous nous étions assignés, quand bien même les critiques incessantes et les escarmouches permanentes et brouillées la lisibilité des mesures que nous prenions. Pour moi, la seule légitimité à laquelle chaque groupe politique ou chaque élu doit se référer est celle du suffrage exprimé par les électeurs en février 2008. Enfin, et c'est la cerise sur le gâteau, l'argument d'une seconde mise en examen qui ne manquera pas d'affecter à nouveau l'image de la classe politique. Je cite le motif évoqué dans votre motion de défiance. Constitue votre quatrième motif de sanction. L'attaque est si basse qu'elle ne mérite pas d'être relevée. Considérant de plus que parmi les signataires de la motion, certains partagent cette encombrante situation. Et je souhaite à quiconque de ne pas être dans cette situation lorsqu'il aura
à prendre des responsabilités de haut niveau. Sur l'affaire Anouanouraro, qui a été utilisée par certains de mes détracteurs, je ne suis pas le seul d'ailleurs, il y en a d'autres dans cette salle, durant de nombreuses années, pour salir mon image et celle des autres. Lors des derniers rendez-vous électoraux, souvenez-vous, je rappellerai simplement que la troisième expertise métropolitaine commise par le tribunal conclut que le prix payé par le gouvernement de l'époque correspond à la valeur de l'estimation. Quant à l'affaire du câble Renault-Toua, nous y voilà. J'ai découvert avec étonnement que j'étais complice d'un président du conseil d'administration de la Poste, également mis en examen, et nommé par un autre président que moi. Il m'apparaît, que les complices objectifs devaient être ceux qui étaient en rapport direct avec ce dossier, c'est-à-dire les ministres successifs des deux gouvernements. Il y en a un dans le mien de décembre 2006 à septembre 2007, qu'il aille s'expliquer devant les juges, au moment où le choix et la signature du contrat avec la société mise en cause ont été décidés. Laissons la justice faire son travail. J'arrêterai là, Monsieur le Président, mon propos sur mes constats et réactions aux différentes interventions. Chacun, demain, en son âme et conscience, devra se prononcer sur la recevabilité de cette motion. C'est un acte important, car il n'est pas neutre. Une telle décision ne peut être rangée au titre des simples avatars de la vie politique de notre pays. Elle va avoir un impact direct sur le cours de nos affaires, sur le climat social et économique, et surtout auprès des plus faibles et des plus démunis de notre société. Elle impactera forcément les décisions des bailleurs de fonds, et je me suis déjà exprimé à ce sujet plus en avant. Mesdames, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants à l'Assemblée de Polynésie française, en vous laissant à vos responsabilités, je vous remercie de votre attention et je voudrais également profiter de l'occasion pour remercier l'ensemble des ministres, des collaborateurs, des services administratifs du pays qui ont participé à ce résultat que je venais d'évoquer avec vous pour l'exécution du budget 2010. On en prend notre briquetini, Naruto et tout à l'heure et aussi. Et à tout meilleur, et au moins, il était à Aïté et Hora, Naruto était au pouvoir à notre fat Ahurit à Ité et Fatrera, Téhapera Pavon, notre fat Ahurino et tout à ta. Téhuira et Nenhéhuia et Té et Hora. Tei e ta'u pahonoro. Wo ti te papahia. Te mata mua o tu pari atau.
ite matau ye ite atua. Ye matau mai au. Ye matau mai au. E te prau tu ara pai tra mata po hoi tona iwa masiano. Eh? Mata po ia. Pet pe pa ye te ite ra wai hatua pai otong mata ara ara. Dar tu ta tara ara te ye rei ra parau tu ye mai moi tatu. Tau mana ho pai at bergitini. Te ite ra otong ai ta tu mana tu ma tu mana ho ai nu. Cara cara. Tu ma tu mana or hei. Ye vai to ta tu finu er tu chau. E to ta tu nu. Na ora pai tu pa pai ye. E o te fatu boi te parohau. E parohi a rato e tamarina te atua. Maruru. E hamai te mei te atua e tatou pa atu. Maruru te fatrerao te whenua. Maruru e te peretitini. Te aniro e tatou a te mei te horma paimini tino. Heu a humai e tatou iune. Demande une petite suspension. Un petit quart d'heure. Ensuite revenir. Maruru. Te hamata whahaura tatu. Iau I te whanhor au ti whirurihia iru toi te rur a te mō pereti tini I nan heida. Ua manohi I te iamhana, te parparau mai te whatere au tō tatu whenua, te pereti tini e te mō whatere hau mi tā tatu I whāroi honei. E muri mai, e parparau mai te mautia o te maupupu o te itapohia te ua. Tō tātou aia, tahuera, I ora te whenua, tāpura amui. E ananhei, I o e praparau e I tō umamana. Wa rurui honei mātou, mō pretitini o mō pupu atoa, e rutui te riahi ora, e ere mea ai whai tōru. Uri au mana hoia ananhei, te mautia o te mō pupu, e wawau mai ai tō rātou mō manao, e wawau atu ei ai tō mō manao, tupu tō e te mai tira. Te rira tamatu I tua tapu e honei I rutu I te etame poto, e te mau pertitini o te mau pupu atua, tā ia e wawau turei mō I tatu, nā tatu e mai ti mai, e hi o mai, e manao praparau, praparau mai, Te anira, ia wehiohia tatatoru rano anan hei horeiwa, e rira te motia o te mokupu e wawawai tō rato mō manao, e nā au e opani te ria tupu atu e te maitira. Tra, mōmero mōmero mai te hia, ti roto I tato. Lene te meharo. Maruru mai te peititini, monsieur le président du pays, monsieur le vice-président, monsieur le ministre, Te ia tō reiti te mua whātereha. Matsi, parti ala pēs. Aita, maruru mei te tō tātou whārere rā. Tēnā tūt mō tā e mūtuhine, me roa por arhei. Tūra tirai whāro mei nei tātou. Peti tini, te tō ati nei tō mātou man, o, I au te whāoti rau te rohia, e te tomite, no te e whānuatu, no te mahana no anan hei. E te me tō I e te rira no mātou, no te wha au mei te rata mātou nei mō mana ono anan hei. Tara, maruru. Maruru. Ai te mana o ahau, Jean-Christophe Bissou. Maruru e pereteni e te whai nei, te iani rā me o tomai. Ia oe, potopotatu da tātou, rutei tā tātou tomite, o te mō pereteni pupu. Mea tano ia veishohia no anan hei, e ianenhe ei whaito e tomo pupu, I mua I tomo ravea no whatar ai tomo ato mo mono, I mua I tatu e tano ato chukira tira, te ria te whanine. Maruru, Jacques Droletane. I te mea te whatura nei mātou e te whatere rau mana hune, te whari atu nei. Robert Tonsoutane. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, en tout président démocratique, bien sûr que je me plie à la demande faite par vous-même et approuvée par l'ensemble de mes collègues présidents.
Je souhaite simplement qu'on nous confirme que demain, conformément à notre statut, le vote pourrait avoir lieu après le discours des uns et des autres. Merci. C'est ça. Madame Chantal Gallon. Marujo Pretitini, Yorana Tatopourwa, Monsieur le Président du gouvernement, bonjour, Monsieur le Sénateur, bonjour, Monsieur le Président de l'Assemblée, chers collègues, à vous, chers publics, les journalistes et tous les internautes qui nous regardaient, qui nous écoutaient. Président, excusez-moi, je voudrais prendre un temps de parole, je ne dépasserai pas 5 minutes, je serai brève, mais je souhaitais dire quelque chose avant le vote de la motion de défiance. Aujourd'hui, chers collègues, nous sommes tous réunis au sein de l'hémicycle pour décider de l'avenir politique de notre Finnois. Cette situation est très difficile pour nous tous, mais je crois que nous l'avons bien cherchée. Car depuis quelques mois, peut-être trop longtemps déjà, peut-être, pour la population. Parce que je crois qu'on l'a beaucoup oublié ces temps-ci, on a plutôt pensé à nous. Et qu'est-ce qui s'est passé au sein de cet hémicycle? On n'a pas cessé de critiquer le président du gouvernement, M. Gaston Tong-Song, et je pense qu'aujourd'hui, c'est la suite logique des choses. Monsieur le Président Tong-Song, je voudrais vous rendre hommage pour tout le travail que vous avez fait pour notre pays depuis le mois de novembre 2009, et à tous aussi vos ministres. Je sais que ce n'est pas un siège facile, mais vous avez essayé de conduire notre pays du mieux que vous le pouviez. Merci pour toute la population. Je préfère vous dire vous remercier. Je pense que vous le méritez. Vous avez défendu vos projets avec ténacité, mais seulement le fait de ne plus avoir de majorité au sein de l'Assemblée a présenté un grand handicap pour vous, Monsieur le Président. Et je pense qu'aujourd'hui, ça suffit. Je ne veux pas, comme mon collègue Jacques Hydrollet, parler de censure du gouvernement Tong-Song. Monsieur Tong-Song, on n'a pas à vous censurer. Vous avez eu le courage de diriger notre pays comme vous l'aviez pu. Je préfère parler de sagesse politique aujourd'hui pour notre population, parce qu'on oublie notre population. Pour elle, rien n'avance. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a toujours pas d'emploi. Les gens souffrent. Je pense que quand vous marchez dans les rues de Papeete, vous avez tous la même expérience que moi, chers collègues. Alors, ce que je voudrais vous demander aujourd'hui, puisque tous les journalistes sont en train de dire que je suis la 29e voix, alors je voudrais vous dire que mon constat est le suivant. Monsieur Tong-Song n'a plus de majorité au sein de l'Assemblée. Tous ses projets sont rejetés. Et Dieu sait qu'il fait des efforts. Qu'il a fait des efforts. L'UPLD a 23 sièges au sein de notre hémicycle. C'est M. Oscar Temaru, c'est l'UPLD qui a le pouvoir politique aujourd'hui. Ne nous le rend pas, chers collègues, c'est le cas. Si bien que si des projets sont passés, pourquoi ne pas passer par l'UPLD? Alors, j'ai des amis qui m'appellent, qui me disent « pas de président Oscar, parce que c'est l'indépendance ». Eh bien, je vous dis, chers amis, M. Oscar Temaru, c'est comme M. Gaston Floss, c'est comme M. Gaston Tong-Song. Ce sont des gens qui aiment leur pays avant tout. Arrêtons de dire l'indépendance, l'autonomie. Qu'est-ce que l'autonomie et l'indépendance aujourd'hui? Ce ne sont que des concepts politiques qui ne marchent pas pour notre pays. Arrêtez. Pour notre population, qu'est-ce qu'elle demande? De l'aide chaque jour. C'est pas nos idées politiques. L'indépendance, c'est pas M. Oscar Temaru qui va la décider, c'est le peuple. C'est au travers d'un référendum et d'un vote. Le fait de réinscrire la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser, ce n'est pas joué. Ce n'est pas à lui à décider. Je suis désolée. Arrêtez d'aller diaboliser les choses. Aujourd'hui, je vous demande, chers amis, chers collègues de l'Assemblée, d'agir avec sagesse. Nous avons actuellement une étude de la nouvelle loi électorale. Nous retournerons aux urnes. De grâce, déposez vos armes de guerre politique. Pensez à notre population. Pourquoi ne pas créer une stabilité jusqu'aux élections, puisque nous retournerons aux élections? Vous allez décider de l'avenir de notre pays, vous les électeurs. Alors, j'aurai un vœu pieux à exposer. Je souhaiterais,
Maintenant, peut-être que ce n'est pas possible, mais ce n'est pas grave, je préfère le dire, puisque nous aimons tous notre pays. Pour moi, je dirais que les deux seules personnes qui pourraient nous apporter la stabilité aujourd'hui, c'est M. Oscar Itemaru, parce qu'il a le pouvoir politique, et c'est Monsieur Gaston Floss, parce que lui a la connaissance politique et la sagesse et la maturité politique. Ce sont les deux seules personnes qui peuvent diriger notre pays pour qu'on ait la stabilité jusqu'aux nouvelles élections. Alors, chers collègues, je vous demande un peu plus de maturité politique, de la sagesse politique. Arrêtez de vous insulter entre vous. Nous sommes fatigués de tout ce qui se passe. Pensez à notre pays, puisqu'on dit tellement « nous aimons notre pays, nous aimons notre pays ». Qu'est-ce que c'est beau quand j'entends tout ça. Mais qu'est-ce que j'entends? Concrètement, rien. Alors, s'il vous plaît, aujourd'hui, déposons nos armes politiques, pensons au pays, pensons à notre population. Nous avons eu un signe avec le Japon. Qu'est-ce qu'on attend? D'être tous noyés dans une grosse vague? On ne sera même plus là. C'est la population qui nous jugera lors des élections. Aujourd'hui, ne faisons plus de la politique politicienne. Faisons de la politique pour aider notre population et arrêtons. Que ma voix soit la 20e, 29e voix ou pas du tout, je vous dis franchement, ce n'est pas ce qui m'importe aujourd'hui. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de montrer à la population que nous sommes capables d'être sages quelquefois. Aussi, je supplie nos deux politiciens sages pour moi à mes yeux, c'est M. Oscar Itemaru et M. Gaston Floss. Faites quelque chose pour notre pays, ne nous laissez plus divaguer comme cela. Et arrêtez, je crois, de vous critiquer, ça fait trop mal au cœur. Et je crois que la population attend autre chose de nous. Et c'est pour cela que je reviendrai sur une idée que notre collègue Béatrice Vernaudon m'a donnée il y a quelque temps. Et là, je soutiens cette idée. Pourquoi ne pas aujourd'hui concrétiser notre amour pour notre pays dans un investissement collectif de tous les élus au sein de notre hémicycle, de nous entendre, de nous respecter et d'accepter un gouvernement d'union pour que tout marche jusqu'aux élections. Et après, on refera de la politique, ça c'est normal. Mais de grâce, Monsieur le Président Oscar Itemaru, si vous êtes président demain, je vous demande d'écouter ma voix, ma petite voix. Voilà, merci. Maruru, Monsieur Clarence Vernaudon. Président Maruru, président du gouvernement, les ministres, je vais juste donner un petit avis sur les avis de différents ministres qui ont émis ce matin, si on le peut. Je vais remercier aussi Chantal pour son discours. Nous avons donc écouté les ministres dans leur bilan, mais de grâce, remercier aussi les différentes commissions de l'Assemblée. Si vous avez pu avancer, c'est que nous aussi, nous savons que derrière, il y a des facteurs et des secteurs qu'il faut faire avancer. Donc, nous avons poussé aussi au maximum. Nous avons poussé au maximum. On n'a jamais... On a mis nos idéologies de côté, des fois, parce qu'il faut faire avancer le pays. Je fais rappeler quand même que l'année dernière et début de cette année, il y a eu quand même 13 milliards de défiscalisation distribuée. On reviendra dessus dans les prochains jours, sur le bilan. Mais on n'a pas du tout entendu parler, j'ai beaucoup écouté avec attention le discours du ministre du Tourisme, parler de l'Air Tahiti-Nui. Quelle est la situation de l'Air Tahiti-Nui aujourd'hui? À quelle sauce on va nous manger encore cette année? Est-ce que la compagnie sera déficitaire ou pas? Donc, on ne va pas débattre ça aujourd'hui, c'est simplement un petit rappel. Mais sur d'autres ministres, comme le ministre de la Culture aussi, là, nous avons poussé sur l'OTAC, la climatisation et tout. Nous avons poussé. On a rarement vu les ministres dans ces commissions. Ce sont les chefs de service que je voudrais remercier, qui sont venus soutenir ces dossiers-là. Et nous les avons compris. Et à plusieurs reprises, j'avais écrit au président du pays pour dire qu'on aimerait aussi avoir les ministres. Mais il y a quelque chose qu'il faut dire la vérité aussi aujourd'hui, c'est que dans les énergies renouvelables, nous sommes très en retard, suivant le bilan que notre ministre, aujourd'hui vice-président,
a émis. Je sais que dans les prochains jours, on entend beaucoup parler, la société EDT, par l'intermédiaire de ces deux gros porteurs financiers derrière, qui est des groupes français très à la pointe et à la tête, veulent implanter dans notre pays une installation de 15 mégas. Alors que EDT nous a toujours dit que le pays ne peut pas, EDT ne peut pas absorber plus de 2 mégas dans notre pays. Et aujourd'hui, on vient nous imposer, essayer de faire passer un dossier de 15 mégas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, on va tuer tous les petits. Tous les petits. Alors que le discours de l'ancien ministre était de dire qu'on va privatiser les personnes, les habitations, aux petites consommations, à l'autoconsommation. Et aujourd'hui, on va mettre un projet de 8 milliards sur 32 hectares. Je ne sais pas, mais il faut dire aussi la vérité à la population. Hein? Donc, et aujourd'hui, si le câble aujourd'hui est arrivé dans la presse et tout, ce câble-là fait beaucoup de bruit. Il ne faut pas oublier, il faut dire la vérité aussi à la population, c'est quand même presque 10 milliards qui a été investi. C'est normal qu'il y ait des contrôles et tout. Et là, Monsieur le Président, je me suis déplacé dans une mission en Calédonie avec l'ancien ministre des Finances, hein, que nous savons tous qui est aujourd'hui aussi dans cette affaire. Monsieur le représentant. Et ils sont allés pour ça. Enfin, c'est pas... tout. Je voulais faire un bilan, hein, mais je ne voulais pas citer. Je ne veux pas vous couper la parole, mais en principe, aujourd'hui, il n'y a que les orateurs. On aura le temps plus tard de pouvoir vous exprimer. Je m'excuse. Voilà, Maruru Totato Mouinamai et Farinea Yatato Ananhei. Pour Aïva, Trara, et Tenihara et Maïditato, Teufautira, Note Vehura Tatato Rurano Ananhei, Teufari, à l'unanimité, Maruru Ananhei, Tama Maïdei, Mantei Ditatato Mouri, Pafaru.